Hello, bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans ce live. Je suis Séverine Birotta. Je suis coach quantique énergéticienne et j'accompagne les femmes à s'aimer, à reconnaître à quel point elles sont merveilleuses, à remettre de la magie dans leur vie, à activer leur pouvoir de manifestation, de création. Et ça me donne un plaisir immense. J'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un petit coucou aujourd'hui. Désolée s'il y a un peu de bruit, c'est les vacances. Ok. Et je les ai extraits des écrans. Et après, ils font du bruit. Je voudrais venir aujourd'hui te poser une question, te demander quelque chose, t'inviter plutôt. Si je te dis, et tu pourras me répondre en replay aussi, hein, d'accord, dans les commentaires, si je te dis, allons inviter la magie. Allons inviter la magie. Allons inviter la magie dans ta vie. Allons inviter la magie avec l'argent. Allons inviter la magie dans ton corps. Allons inviter la magie dans ton business, dans tes relations. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait? D'accord? Est-ce que, comme moi, ça te donne une excitation, un frétillement intérieur qui est juste incroyable? Juste quand je dis allons inviter la magie, il se passe quelque chose de chimique à l'intérieur de moi. À chaque fois que je dis ça, à chaque fois que je dis ça, quand je dis allons inviter la magie, quelle magie est-ce que je peux être? Il se passe quelque chose vraiment de chimique à l'intérieur de moi, un frétillement, une ouverture, une légèreté, une excitation et en même temps une douceur. Parce que quand on vient demander, quand on vient allumer, inviter, quand on vient activer cette magie, okay? Cette magie qui est en nous, cette magie qui est dans l'univers, on vient comme ouvrir le champ quantique des infinies possibilités, on vient comme connecter à cette autre chose que l'on sait possible. Bonsoir, bienvenue dans ce live. Quand on vient demander ça, d'accord? Quelle magie est-ce que je peux être? Allons inviter la magie avec l'argent, avec notre corps, avec notre business, dans nos relations, avec la nature. On vient en fait comme mettre en évidence toutes ces possibilités, toutes ces choses que l'on perçoit, que l'on sait, qui est possible. Je voulais te dire aussi que ça ne va pas faire ça à tout le monde, d'accord? Et si toi, tu te sens peut-être différente, peut-être que tu te sens différente, que tu t'es dit plusieurs fois que tu n'as pas été parachutée dans le bon monde, d'accord? Qu'il y a eu un problème, la mauvaise planète. Si toi aussi, tu te sens, tu sais qu'il y a autre chose qui est possible, tu te sens appelée, d'accord? À créer cette autre chose, le plus grand. Mais il y a comme des résistances, il y a comme tout le monde ne fait pas ça autour de nous et que du coup ça te freine, ok? Parce que je sais. Si toi, ce qui t'allume, c'est quand je te dis allons inviter la magie dans ton monde, à chaque instant, tous les jours, tous les matins, plutôt que d'essayer de rentrer dans les cases et dans le même moule que tout ce qu'il y a autour de nous qui nous éteint. Alors, je voudrais te dire une chose très importante, d'accord? C'est que tu n'es pas toute seule, ok? On est beaucoup. Et si tu me rejoins sur mes réseaux sociaux ou si tu me connais depuis longtemps, tu sais que ici, c'est un endroit pour ça. C'est un endroit où on se retrouve et c'est un endroit où on croit à tout ça. On croit à l'invisible, oui. J'ai eu encore deux témoignages aujourd'hui de personnes qui ont fait des ventes et qui se sont vues débloquer des situations en recevant un soin Ganesh. Oui, si tu n'as pas reçu ton soin Ganesh, viens vers moi. Je t'envoie le lien immédiatement sur ton Messenger. Oui, nous on croit à ça. Oui, on croit à l'énergie, on croit à l'univers, on croit à énormément de choses qui sont là pour nous. Et tu n'es pas toute seule, d'accord? Et tu n'es pas non plus toute seule pour créer tout ça. Parce que quand je te dis allons inviter la magie, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais te raconter l'histoire de la tortue. Je n'aurai peut-être pas tous les détails exacts,
de cette histoire, mais j'écoute des reportages animaliers avec mes enfants et je pourrais retrouver le nom de ce reportage et te l'envoyer s'il t'intéresse. La tortue, pendant 20 ans, va faire des milliers et des milliers de kilomètres. Attends, excuse-moi. Mon ordinateur me dit qu'il va s'arrêter. Voilà. Mais comme je ne veux pas qu'il s'arrête, je vais brancher. La tortue parcourt des milliers et des milliers de kilomètres pendant au moins 20 ans avant d'aller pondre. Et elle va retrouver... Si vous êtes en train juste de me rejoindre là, ne partez pas, tout va bien. Quel est le rapport avec la magie? Elle est capable de retrouver la plage où elle est née pour aller pondre à nouveau. Et vous savez, dans ce reportage, je vous chercherai le nom de ce reportage parce qu'il est extraordinaire. Coucou ma Mauricia. Il explique en fait que tout ça, c'est parce que la tortue a des morceaux du chant quantique en elle. Elle a des morceaux d'univers. C'est de la poussière, elle a des poussières, de la poussière d'étoiles, des morceaux de l'univers qui lui permettent d'être magnétique à la plage où elle est née. Ce qui est quand même extraordinaire et incroyable, d'accord? Sauf que nous avons toutes et tous en nous ces particules de champ quantique, ces particules de poussière d'étoiles qui nous permettent, nous aussi, d'être magnétiques et d'être extraordinaires, en fait, d'attirer à nous, ok, des choses extraordinaires. Si quand je te dis « allons inviter la magie », ça fait pétiller tes cellules, c'est parce que toi aussi, tu as des particules du champ quantique, des particules de l'univers, tu fais partie de ce grand tout et que tu es ici pour créer ça, pour créer, vivre en étant ça en fait. Sauf que c'est quelque chose qu'on a complètement éteint, qu'on n'a complètement pas utilisé parce que nos parents ne l'ont pas fait, nos grands-parents ne l'ont pas fait et que même le premier soin du programme Invite la magie qui ouvre ses portes demain, je suis tellement impatiente et heureuse. On va aller faire une déprogrammation de partout où on a valorisé le travail difficile, la souffrance, l'effort, le mérite et toute cette loyauté. Et ce serait en fait, ce serait trop beau, comme si ce serait trop beau en fait, que ce soit juste si simple en fait, d'activer la magie, d'inviter la magie et puis de profiter et puis d'être... magnétique, d'être soutenu par Ganesh, par l'univers, de pouvoir activer des énergies, de pouvoir demander la contribution tous les jours, de pouvoir changer en nous la fréquence vibratoire et alors créer tout autre chose. Ce serait presque trop facile. Coucou ma Manu d'amour. Sauf que... Donc, ça c'est un conditionnement, d'accord ? Qu'on va déprogrammer complète, qu'on va déprogrammer, ok. On fait des soins énergétiques pour ça, ok. Et puis, on va mettre en place des routines, on va mettre en place des choses, et puis on va inviter cette magie dans notre quotidien, dans tous les jours. Moi, quand je dis, allons inviter la magie avec l'argent, j'ai tout plein de choses qui me viennent comme ça, qui sont extraordinaires, que l'argent est une énergie, que l'argent est une poussière d'étoiles, que l'argent soutient mes rêves et mes désirs, ma vision de l'argent, alors elle a complètement changé depuis que je fais des reprogrammations, bien évidemment, mais oui, moi aussi j'adore, quand je dis allons inviter la magie, voilà, Manu hier me partageait, parce qu'elle fait partie de... ce magnifique et merveilleux groupe de femmes que je suis à l'année dans Empowerment et elle a créé des moments magiques à l'étranger pour un voyage et elle nous partageait ça. C'est clair, mais je vous ai déjà dit, on a le choix de la façon dont on va créer notre vie et ça part de notre choix. Soit comme si rien n'était magique,
soit comme si tout était magique, ou tout peut l'être, en fait, et d'inviter ça à chaque instant, que ce soit extraordinaire, que je sois surclassée cet été pour rentrer dans l'avion alors qu'il y avait des grèves de partout et qu'on menaçait plutôt de nous donner un avion low cost et tout ça, et au final on a été surclassés en classe moyenne, là où on était comme des pachas. Plein de choses comme ça en fait, ok? Moi j'adore la magie, clairement. J'adore la magie, j'adore que les choses, voilà, pétillent, que les choses soient là devant nous et qu'elles nous... Ok? Ça nous demande de l'inviter, de le demander. Je vous rappelle que c'est une des lois de l'univers, ok? C'est demande pour recevoir. Ça nous demande d'ouvrir aussi notre recevoir, parce que si on reste coincé ou derrière des barrières, des boucliers, des schémas inconscients qui nous empêchent de recevoir tout ça, parce que on veut pas lâcher ça, travailler dur, ce serait trop beau, n'est-ce pas, d'avoir du temps avec nos enfants pendant les vacances et en plus de s'éclater en faisant le job qu'on adore et de recevoir de l'argent, ce serait, et d'avoir du temps pour prendre soin de soi, ce serait vraiment trop beau, ce serait vraiment très différent. Donc mon invitation, vraiment, allons inviter la magie. C'est est-ce que tu es prête à être différente et à être cette leader qui commence avec ça, d'accord ? Qui fait qu'elle va être une invitation pour les autres aussi à créer ça. Ça existe, je t'assure. Je le vois, je le vis, je veux le vivre à un cran encore au-dessus, et quand je fais les programmes, ne t'inquiète pas, je fais tout avec toi, je vis tout avec toi à 10 000%. Invite la magie, ouvre ses portes demain, c'est 14 jours. Avec des soins énergétiques, de déprogrammation et de reprogrammation quantique, avec des lives, avec des exercices aussi, avec une routine de magicienne. J'ai déjà préparé plein de choses, je suis vraiment... voilà. Je sais que ça va vous porter, en fait. L'objectif, comment est né Invite la magie, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je sais qu'au fond de toi, il y a une part de toi qui aime ça, il y a une part de toi qui connaît ça, il y a une part de toi qui sait qu'autre chose est possible. Peut-être qu'il n'a pas encore pleinement reconnu aujourd'hui parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on te dit dans ton quotidien, mais qu'au fond de toi, tu te sens différente, tu crois à des choses différentes, tu aimes ce genre d'énergie. Allons inviter la magie. Et que il y a des... Tu vois, moi, quand je dis allons inviter la magie, j'ai comme des paillettes autour de moi qui frétillent parce que j'aime ça, parce que je crois qu'on est venu vraiment pour inviter ça dans le monde, en fait. Je nous vois comme des petites ouvrières de l'univers venues ici, ta-da-da-da-da. Elle a dit, alors vous allez remettre un peu de magie, vous allez remettre de la magie, de la paillette, de la joie, tout ça, parce que ce monde est plombé, il est temps d'élever sa fréquence. C'est génial qu'elle espace. Ah oui, ma Manu, merci pour ton message hier, c'était vraiment chouette. Allons remettre de la magie, allons remettre des paillettes, allons remettre voilà, la magie de l'univers, allons créer un monde, vous savez, leitmotiv, ok, un monde avec plus de joie, plus d'amour et plus d'abondance. Et je crois que si on le crée chacun dans notre univers, on va grappiller. Chaque mois, on va grappiller de l'espace, ok, et on va insuffler ça, ok. J'ai eu une coupure de... Il me dit que je n'ai plus de batterie. Il n'y a plus rien qui n'a de la batterie ici. Alors, attends. Donc, invitons la magie. Ok. Si vous avez envie de me rejoindre, mettez-moi un petit message ici. Ok. Ou en privé. Je me ferai une joie de vous donner le lien pour nous rejoindre. Allons inviter la magie dans nos corps, avec l'argent, avec notre business, avec... nos relations, ok, et arrêtons de croire qu'on est toute seule, arrêtons de croire qu'on doit créer tout ça toute seule, on est extrêmement soutenu, ok. J'ai envie, dans ces 14 jours d'invitant la magie, même si tu connais déjà les énergies, si tu connais déjà les processus, si tu connais déjà tout ça, peut-être que toute seule dans ton coin, eh ben, tu les utilises pas,
ou tu oublies de les utiliser ou tu te laisses envahir par tout ce qu'il y a autour. Et c'est ok, aucun jugement. Je sais la force d'être ensemble, je sais cette puissance d'être ensemble, je sais ce que ça crée de créer des groupes comme ça. C'est vraiment un tunnel d'ascension. Donc si tu as envie de vivre ça, de recevoir des soins énergétiques tous les jours et d'inviter la magie et d'être ensemble pour ça, eh bien, rejoins-moi. On démarre demain. Ok ? Je t'embrasse. Je vous fais des gros bisous. Et si vous voulez, si vous n'avez pas reçu votre soin Ganesh, je vous ai dit de me mettre un petit message et je fais une initiation Ganesh le mardi 31 octobre pour l'ajouter à votre vie, pour l'adopter dans votre quotidien. Ok ? Des gros bisous.